Kikou les pastèques. Et bienvenue dans ce quatrième épisode. Troisième. Non, mais c'est le troisième épisode de du concours, parce qu'on a fait un épisode avant. Ah oui, c'est vrai, pour expliquer les règles. Mais pas les règles des femmes, parce que les règles des femmes, on n'a pas fait d'épisode là-dessus. Ouais. Attention, il y a 4 semaines, Thomas a joué contre Claudia. Claudia a perdu. Évidemment. Il y a 2 semaines, Thomas a donc joué contre moi et j'ai perdu. Et aujourd'hui, c'est le choc des titans. Et Thomas est sous. Thomas, il pine. 3, 2, 1. Montez ça. Ça commence par un premier. Oh oui, tu peux essayer de faire revanche. Mais... Est-ce que je peux contre-revancher? Non, c'est non, trop... Non, arrête. Comme il y a revanche et qu'il y a mis, c'est Thomas qui choisit le DR. Il faut trouver un participant qui est d'accord pour vous embrasser tous les deux et qui doit dire qui est le meilleur embrasseur. Ok. Le perdant boit un verre. Peur de te confronter, bois le verre. Tu choisis, trouve quelqu'un qui est d'accord pour vous embrasser tous les deux. Ouais. Qui est d'accord? Claudia, t'es d'accord? Allez Claudia, est-ce que quelqu'un est en couple déjà? Bah moi je suis en couple. Ah donc Donc est-ce que tu es d'accord pour le faire? Ouais, 5 minutes de cinéma, ça va. Ouais mais c'est quand même qui doit le mieux embrasser, donc forcément je vais perdre, vu que je vais mettre mon cœur. Oh écoute, moi ça me casse les couilles. Et c'est moi qui dois embrasser, qui est, c'est lui, c'est... Il n'est même pas encore vu. C'est que Claudia va vous embrasser tous les deux et va décider qui embrasse le mieux. C'est toi qui choisis. C'est trop bizarre. Mais tais-toi, Claudia. Bah, le deuxième, il y en a eu deux, donc deux. C'est de la triche. Est-ce que lorsque cette vidéo va être diffusée, Rémi va être célibataire? Peut-être. J'espère pas pour lui. Est-ce que le tableau est vraiment pas pour vous? Ça va, c'est pas non plus. C'est vrai. Mets ta bite dans l'orifice d'un partenaire à ton choix. Celui qui lime le moins bien doit boire une bière. Oh non. Vos gueules. Putain. Alors, voilà. Décris en détail la plus grosse chose qui est sortie de ton corps. Ça peut être de n'importe quel orifice. Ou alors fais le ver de terre en sous-vêtements, bah putain. Ouais, du coup, je vous décris. C'est pas toi qui choisis, c'est lui qui choisit. Ah oui, tu choisis, Thomas. Et bah, du coup, comme tu vas être décrire, eh bien, ce sera l'autre. Putain, le ver de terre. Oh, tu vas faire le ver de terre en le Takum est mort, le. C'est clair. De toute façon, Thomas, c'est la reine des putes, je le savais depuis le début. C'est quoi, j'aimerais bien qu'on refasse ces 3 minutes où t'es chier dans la gueule. Voilà, alors te plaît, j'ai pas de soucis. Ça va bien, mais y'a pas de soucis. Putain, c'est long 3 minutes, mais c'est pas aussi long. T'es un bite parce que t'es une mini-tub, Thomas. Il est trop vénère. Franchement, là, c'est le moment où tu te dis si je postais un statut demain en disant je me suis fait emballer par 2 mecs dans mon appart, y'en a un qui a fini en slip faire un verre de terre. Le poste. Allez, c'est parti. Oh non, ça défonce. C'est incroyable, mais quel talent, mec. Je suis comédien. Ouais. Oh là, je te dis, c'est le choc des titans. Ouais. Là, Rémi, là, il a un regard. C'est une bonne guerre. Tu contre, petite pute. Oh. C'est vénère. Donc là, j'ai pas rencontré s'il réussit. Ouais. Tiens, dans ta gueule, sourasse, va. Alors faut que tu te mettes debout sur une chaise et que tu dises très fort, très fort. Dis choses que tu penses honnêtement de toi. Bien de toi, que tu penses vraiment. En tout cas, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, mettre un petit sur le d'aller vous abonner à la chaîne. Et d'un coup, millions de souffrances. Oh. La chiasse revient. Pour le reste du jeu, quand tu marches, quand tu fasses que ça veut dire diarrhée. Surprise. Hein. Je suis gras. Je suis grand. Je suis... C'est quoi déjà? Il faut que je dise je suis à chaque fois. Non, pas tu forcément. Tu es une sous-merde, vas-y, dis-le bien. Et je suis solidaire. Je suis empathique. Je suis un très bon ami. Je peux être un très bon copain. Tu peux être aussi un fils de pute apparemment, mais... Je peux être un fils de pute si
Vous le méritez. Je suis pédophile. C'est yes. Je suis Lorenzo. Mais c'est pas une qualité. C'est le Bob Lorenzo. Ah bah, et qui c'est hein, peut-être bah non, aussi. Quand même. C'est pas une qualité, c'est pas... Je sais même pas qui c'est Lorenzo. C'est une qualité. C'est vrai. C'est un rappeur. Ah bah, une vérité vraie. Ah, alors celle-là, elle est très très vraie. Je suis blanc comme un cul, et mon cul est plus blanc, et plus blanc bleu que moi. Putain, j'ai chié, j'ai chié mon truc. Je veux dire que je suis blanc comme un cul, et mon cul est plus blanc que moi. Je pense que là, il y a quand même eu du temps, moi je dirais qu'il y a un verre à boire. Ouais. J'ai vraiment pas joué. Ah, il boit celui-là. Oh, Thomas. Ah bah là... Ah là... Oh, pas si beau avec ça. T'as bu l'autre verre. Oui. Tu sais que c'est pas celui-là qu'il faut tirer. Hein. Ah ouais, c'est pas vers celui-là. C'est celui-là alors, non. Personne n'a vu qu'il vient d'en mettre un. Non. Non. En train de le et ce revenge. Et tout le monde a vu qu'il va faire un défi. Décris en détail les circonstances plausibles de ta propre conception. Tu bois si je te crois pas. Et voilà. Sinon, tu fermes les yeux et il te chatouille à la peau. Genre, tu soulèves ton t-shirt, il chatouille pendant que tu décris des araignées qui montent sur ton corps. Ok, donc en fait, lui, il a des gages de CM2. Oui. J'imagine, parce que je sais pas. Je sais pas, moi je la sais. Et moi, je sais pas. Bah oui, oui bah, c'est bien toi, le canapé blanc. Ma mère m'a dit que tu as été conçu sur des canapés blancs. Elle a sorti le moment de ma conception. Mais oui. Ah oui, c'est vrai. Tu dois voir si jamais je te crois pas. Je te laisse réfléchir un petit peu. 19 novembre, le soir, 22h10. Précisément, ma mère arrive à l'appartement. Des pétales de rose sont tout le long du couloir. La baignoire était remplie de lait d'amande douce pour s'y glisser. Et là, mon père est arrivé, slip kangourou. Je vais te niquer, maman. Je vais te niquer, maman. Tu peux déjà voir, Thomas, je te crois déjà pas. Donc, j'en sais rien, j'avoue. Vas-y, finis. Et donc, j'ose imaginer que j'ai été conçu dans une baignoire d'amande douce. Donne justement ma peau très très douce. Lécher si vous voulez, vous verrez très bien. On sent encore un petit peu l'amande. Amande douce, voilà, je savais. Et donc voilà, donc 22h10, et j'imagine qu'à 22h15 c'était fini. Et que t'es arrivé 9 mois plus tard. Et j'arrivais 9 mois plus tard. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Ouais, mais que le mec arrive et dise à la meuf qui va baiser, maman, je vais te niquer. Mais on n'est pas là pour du mot à mot, c'est un roman, c'est une histoire. C'est très très audible. Se plonger dans l'histoire, un peu de romance, comme mon frère. Un peu de romance, mon frère. Allez, t'as perdu, tu vois. J'ai perdu. Tu colles, mon pote. D'accord. Donc si vous perdez. Oh, il est chaud, Rémi, putain. Alors CM2, CM1, que sur un niveau de sauté. Remplis ta bouche avec ta boisson. Alors, après j'ai 30 secondes pour te faire rire, pour la recracher, et si tu la recraches, même un peu, tu dois boire le verre, ça me plaît ça. Et... Je me cache. Et 3, 2, 1, c'est parti. Tu peux me regarder, Thomas. Allez, ça part. Tu vois, direct. J'ai besoin de rien faire. Avale. Il est en train de mourir, on va cracher dans sa deux mains. Allez, avale, Thomas. Oh, il a niqué par terre. T'as deux verres de plus que moi. Bah ouais, alors. Et en plus, tu rassembles mes verres. Mais non, mais je dis mais ça. Je dis juste mon droit unique. Ça, c'est pas sportif du tout. Ce qui est pas sportif, c'est que toi, tu veux pas le faire, puisque j'ai pas assez de verres. Enfin, j'ai qu'un verre qui est parti. J'ai loupé ma punchline, mais c'est pas grave. Il est plus frais du tout. Je dors avec ça. Est-ce qu'il fait un renvoi? Oh là là! Oh putain! À chaque fois! Je fais un renvoi! Enlève tes sous-vêtements et porte-les par-dessus ton pantalon. Oh, je vais bien rire, je peux pas! Qui m'a motivé, tu vas essayer de défoncer ton main, tu vois. Oh, mais ça se voit quasiment pas. Enlève ton pantalon, Thomas. Celui-là. Ah, oh non, c'est interdit. Y'a pile. Tu bois le verre et je refais. Et pour le pineur, une gorgée en plus. Mon dieu. Comment t'as fait pour gagner? Oh là. J'enlève un vêtement pour chaque partenaire sexuel que j'ai eu. Et deuxième, c'est que je chante une chanson sexy
À plein poumon. Pendant une minute, s'il rigole ou qu'il s'arrête, il doit boire le verre. Non, moi je fais la voix des abonnés, ils ont mis ça voir la première personne t'a couché, du coup. Ouais, mais c'est impossible ça. C'est pas possible parce que sinon je finirai à poil, j'ai pas eu de poil sur internet. Et est-ce que c'est mon problème? Bah non, mais j'en fous. Non, on veut dire qu'on s'arrête au caleçon. Donc je suis obligé de finir en caleçon. Je n'ai pas ma tête. Ah, je bois sinon? Bah oui. Oui, tu peux boire ton verre si tu refuses. Bon, bah. Je bois parce que je peux me terminer à poil. Effectivement. Putain, mais c'est la terre. Quoi? Moi, je pense aux abonnés. Arrête de me. Il a raison, il essaie de gagner plus d'abonnés. Moi, j'essaie de vous faire gagner des vues. Hein. Bah, bien sûr. Ouais. Je suis sûr, il a bien. Damien. Oh, du. Ah. Je dois laisser quelqu'un me brosser les dents avec ses doigts. Est-ce que tu pensais ce matin en te réveillant que t'allais subir. Non. Mais. Allez, chute. Ah. On dirait une tarte aux pommes. J'ai l'impression d'être à Koh-Lanta et. Bon, allez. Donc, tu dois manger comme ça, mon pote. Mais c'est pour les vidéos. Oh là là. Ta mère. Putain. Je voulais dire que tu y allais réussir. Alors, je dois chanter trois secrets sur moi que je n'ai jamais partagé. Comme si j'étais. Comme un chanteur de comédie musicale. Je suis une ouais, star. Tu t'es pas trompé trop une fois. Si. Oh putain. Qu'est-ce je me suis déjà craqué de trous lors d'un rapport sexuel. Et j'ai adoré ça, merci t'es. T'es trompé de trou, c'est ça? Oui, je viens de le dire. Oui, je viens de le dire, putain. J'ai déjà fait caca sans faire exprès ton petit en courant dans un couloir. J'étais trop pressé, mais j'avais déjà chié. Pour le dernier, je dirais que je me suis déjà branlé. En étant au collège, pendant un cours, en allant aux toilettes, c'est beaucoup trop privé. Voilà. Bah, il sait. C'est pour se branler. Oh. C'est quoi les cadres? En gros, tu manges ce que je veux que je cuisine là. C'est, en vrai, petit lit de piment sur son surimi, voilà. Après, tu as mangé des balles. Non, franchement, je trouve qu'il se comporte bien, ça va. Ça y est, là, c'est bon. Non, tout n'est pas descendu. Mais c'est piquant, ça. Oui. Oh, peut-être faire un petit verre. Pitcha de couille. Oh yeah. Donc, finis la phrase. Ma position. Ma position sexuelle préférée, c'est celle où quand tu y penses, t'es là, t'es. Ok. Oui, là, elle est vraie. Ah ouais. Ok, ça marche. Très bien. Non. Allez. Oh là là, les gars. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, petit sondage, si vous voulez que je finisse la partie maintenant, Matoui, et puis sinon, bah, on continue. Hein. Au lieu qu'on finisse là, et ben, on finit au début de la prochaine. C'est vrai que ça peut être marrant, ça. De quoi? Si jamais vous voulez savoir si Rémi va gagner, et ben, en fait, on termine la vidéo maintenant, et en fait, vous terminez la partie dans le prochain épisode. Mais surtout, n'hésitez pas à liker, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne de l'Otakum, même si c'est leur dernière vidéo qu'ils feront ensemble. Et dites-nous dans le sondage qui est là-haut, à votre avis, c'est Rémi ou Thomas qui va gagner. Au revoir les pastèques. Pour le savoir, abonnez-vous et revenez dans deux semaines. Je suis comédien. Ouais. Ils sont vraiment dégueulasses. Ah, c'est un bouquet de trucs derrière mon nez, c'est que pour du clic. Je vous déteste. Je connais pas trop du clic.